plus de 400 compétiteurs, des professionnels, des amateurs. Et parmi eux, Nathan, 16 ans. Il dispute une vingtaine de compétitions chaque année. Et celle-ci, il ne la manquerait pour rien au monde. Il y a toujours un gros niveau de jeu. On joue des gens qu'on ne joue pas forcément l'année. Parce qu'on est centralisé en France. Et donc là, ils viennent vraiment de partout. C'est bien, ça offre de nouvelles perspectives de jeu. C'est très agréable. L'Open de tennis de table de Cognac a été élu deux années de suite meilleur tournoi international français grâce à ses nombreux atouts. 38 tables, aussi 27 tableaux. Et puis dans la continuité 2016 et 2017, 5 dates proposées du 9 au 13. On a des retours très positifs de gens qui viennent de loin et on est surpris de voir que des gens consacrent 3, 4, 5 jours dans cette période pour venir à Cognac. Du côté des joueurs, pas de doute, la manifestation charentaise est devenue une référence dans le milieu. On sait que quand on vient ici, on va avoir beaucoup d'adversité. Et c'est aussi pour ça qu'on vient, c'est que bon, aussi, financièrement c'est intéressant, c'est bien doté. Et puis on sait qu'on va faire des bons matchs et qu'on va jouer dans de bonnes conditions. Donc c'est très motivant de venir ici. Un tournoi très attractif pour les joueurs, avec une des plus grosses dotations, car elle peut atteindre ici 1 500 euros pour le gagnant.